Dans la perspective de la COP21, face aux enjeux des changements climatiques aujourd'hui en Afrique de l'Est, il est important pour nous, SCAC de Nairobi, de pouvoir monter deux opérations croisées, qui à la fois mettaient en présence les chercheurs et aussi permettaient de rencontrer des journalistes scientifiques. On leur a permis donc de pouvoir maîtriser davantage les moyens audiovisuels pour qu'ils puissent aujourd'hui avoir la capacité de présenter leurs travaux au plus grand public, mais aussi auprès de leurs pairs et auprès de leurs bailleurs. Et c'était important de les doter de ces outils parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est un des éléments qui manque le plus dans la formation des chercheurs. Donc la première action a consisté en une matinée de travail entre nos journalistes bénéficiaires et des doctorants scientifiques kényans issus du CNRS et de l'IFRA, donc l'Institut français de recherche en Afrique. That makes it difficult, that brings in misunderstanding between journalists and scientists is the complexity of how scientists present the issues. It's a problem for us, definitely, and it's something that we need to work with, but the way we are trained and the way we work, it is valued in that way. It's really important for us to translate our research findings into something that's more palpable and more impactful in people's lives. And so it's important to foster a relationship between scientists and journalists, translate our research so that it can reach a wider audience, that it can have more impact and it can really be used beyond our dead archives or our dead libraries where people don't go to anymore. To inform policy, to inform exchanges, to inform people's daily actions. Et l'idée du projet REAL, c'est vraiment de former une nouvelle génération de chercheurs qui soit à la fois nouvelle sur les méthodes et les approches développées pour comprendre les changements socio-écologiques, les changements climatiques, etc., mais aussi qui soit en phase avec la manière dont on communique sur la science aujourd'hui, donc en lien avec le journalisme, en lien avec le monde des médias, et qui soit capable de produire un discours adapté pour ces publics spécifiques. There is a big need for such trainings because it will open opportunity for other journalists to come and learn the issue of climate change. Globally, climate change is known to be a big problem and more so in Africa. Donc nous sommes dans un contexte de diffusion de l'information. Il est important de faire connaître nos travaux de recherche. Nous n'avons pas forcément les compétences et les moyens de le faire, auquel cas l'intervention et l'interaction avec des professionnels de la diffusion de l'information, comme les journalistes, peut être utile à pouvoir promouvoir cette diffusion et surtout à le diffuser de façon plus large. Ces actions croisées permettent de valoriser le travail colossal que mènent les instituts de recherche français ici en Afrique de l'Est. Moi, j'en suis extrêmement satisfait. Je souhaite que l'année prochaine, nous puissions encore continuer à travailler sur ce même mode, permettre cette rencontre. Et nous comptons beaucoup avec Canal France International, qui est notre partenaire, continuer à mobiliser ces journalistes scientifiques de pays comme le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et Madagascar. Signs of time, the clock is ticking. How jolly! We have to go renewable to make the app a cradle. No more deals under the table.
lecture bar.